Nouvelle émission, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Face à BSC. Face à BSC, vous le savez, est une émission où interviennent les invités sur notre plateau pour vous offrir un autre regard sur l'info. Sur ce plateau, j'ai deux invités et ils sont tous journalistes. À ma droite, il y a un habitué, hein, Claude Molichaud, il est journaliste et analyste politique proche de Joseph Kabila. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Merci, c'est bonjour également à toute l'équipe technique de cette grande émission. Bonjour à mon ami qui se trouve en face de moi. Guy Roger Tshitenge, il est analyste politique mais également journaliste. Bienvenue. Merci beaucoup à toi, merci de me donner cette occasion de me retrouver pour la première fois sur ce plateau de BS. C'est un plaisir. Merci également à mon co-débatteur. Voilà, nous avons deux sujets, mais nous allons faire une petite mise au point sur cette actualité, hein, le Far West à Kingabwa et non à Kingakati. Voilà, nous allons parler après l'investiture, hein, par le président Tshisekedi des trois délégués très contestés de l'opposition entérinés par l'Assemblée nationale pour compléter l'équipe de la Commission électorale nationale indépendante. Une autre nomination dans cette institution d'appui à la démocratie attise à la flamme. Il s'agit de Toto Mabiku Totokani, nommé au poste de secrétaire exécutif national de la CENI. Nous allons, je le disais tantôt, voulant venger leurs compagnons d'armes, des militaires de la GR saccageant la résidence de Jean-Marc Kabund à Kabund, désarmant sa garde rapprochée et arrête son personnel civil. Et donc, Claude Molichaud, voilà, nous avons tous suivi cette actualité. Hier, Kingabwa était prise, plutôt était pris, hein, par la garde républicaine. Alors, il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà, comment analyser cette actualité? D'abord, on se rend compte que au niveau de l'UDPS, on est en train de nous offrir des spectacles désolants au fur et à mesure qu'ils sont en train d'évoluer avec leur pouvoir. Et il faut que les Congolais se rappellent que ce n'est pas la première fois que Jean-Marc Kabund, en se permettant de trouer des pneus des paisibles citoyens sur la voie publique. Et un jour, il s'est même se trouvé devant la petite camionnette de maman Marthe, qui est la mère du chef de l'État, et il s'est livré à cet exercice-là. Curieusement, ce n'est qu'après qu'il s'est retrouvé que non. Il était en train de trouer les pneus de la camionnette de maman Marthe pendant que le chef de l'État était à l'extérieur du pays. Et, semble-t-il, selon certaines informations, il a demandé pardon. C'est comme si les autres Congolais moyens ou les Congolais lambda, ce sont des gens sur qui on peut marcher, on peut violer tous les droits des... et on laisse passer comme ça. Et ce n'est pas la première fois. Voilà, cette fois-là, c'est une autre personne qui serait de la famille présidentielle. On parlerait d'une certaine Agnès Tshisekedi, qui est de la famille, qui serait de la famille présidentielle, avec son élément de garde de la garde républicaine, JR. Alors, il prenait l'essence. Mais apparemment, c'est tout le monde qui se promène avec la garde républicaine au sein de la partie. Ce sont les tenants du pouvoir. Toi et moi, si on se permet de faire cela, mais tout d'un coup, on va être pris comme des balles propres et jetés dans des cachots. Il faut voir comment les éléments de la police de circulation routière sont en train de se comporter face aux paisibles citoyens. Ils se permettent d'entrer, de se disputer le volant avec les conducteurs de véhicules. Donc nous sommes tombés trop bas. Et effectivement, là je donne raison au chef de l'État qui a dit Mboke Koufa. Et c'est l'UDPS qui est en train d'enterrer les pays. Nous attendons seulement les certificats de décès parce que Mboke Koufa, mais on n'a pas encore livré les certificats de décès. Mais c'est vous qui l'avez tué. Non, c'est l'UDPS. Effectivement, là nous sommes d'accord. Félix Tshisekedi n'est pas Koufa, nous attendons le certificat de décès de la République démocratique du Congo avant l'enterrement. Parce qu'avant d'enterrer quelqu'un, il faut qu'on puisse nous délivrer médicalement le certificat de décès. Donc, cette dame-là, Agnès, serait en circulation sur la route poids lourd, en sens unique ou sens contraire ou sens interdit. Et c'est une infraction d'ailleurs, même si c'est de la famille présidentielle, il ne peut pas se permettre, pendant que chaque jour, matin, midi, soir, le général Kasongo, il est en train d'interpeller tout citoyen, tout contrevenant, avec dans le respect du code de la route.
Et les contraventions comme celle-là sont passibles à des sanctions sévères parce que c'est une contravention sous la voie publique. Et ce sont les éléments qualifiés qui doivent les prouver. Alors, c'est une infraction. Et après, comme c'est quelqu'un qui serait de la famille présidentielle, non. Et Kaboun, comme c'est quelqu'un qui est au pouvoir avec sa garde, les policiers, alors. Voilà le spectacle que nous avons. Je vais donner la parole à Guy Roger. Et la suite, nous la connaissons tous. On s'est permis même d'arracher une arme à un élément de la garde républicaine. Ça ne s'est jamais fait. Très bien. Guy Roger Tshitenge, comment analysez-vous ces spectacles désolants qui s'est passé hier, d'abord sur le boulevard, et puis dans la résidence du vice-président de l'Assemblée nationale, il faut bien le préciser. Merci beaucoup. Bien qu'il faut à tout prix chercher d'abord à condamner cet acte de violation des domiciles du président de l'Assemblée nationale, M. Jean-Marc Kaboun, mais il faudrait toutefois aussi chercher à remettre à l'ordre certaines choses. La police qui est commise à la sécurité de M. Jean-Marc Kaboun, quel est son rôle? Le rôle de cette police, c'est de sécuriser l'autorité. Est-ce que l'autorité avait-elle été en danger pour que la police puisse intervenir de la sorte? Il y a deux corps. Il y a la police nationale congolaise et il y a les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont été représentées, bien entendu, par la garde républicaine. Ce sont deux corps qui se connaissent, qui pouvaient, tout compte fait, arriver à trouver une question à l'amiable. Il n'est pas assez acceptable. Et ça, il faut vraiment condamner qu'une telle dérive se fasse au vu et au su de toute la population et surtout sur un axe aussi embouteillé que poids lourd. Parce que vous vous souviendrez que dernièrement, le chef de l'État, lorsqu'il a réuni les différentes autorités de la République et de l'armée, il a même insisté pour dire qu'il est strictement interdit à quiconque de bien prendre le sens contraire sur la voie publique. Et lui-même en a montré l'exemple à Kitambo Magasin à plus d'une reprise, où lorsqu'il trouve qu'il y a quand même des embouteillages, le chef de l'État reste sur sa bande et suive. Voilà. Alors, Guy Roger, oui. Face à ces spectacles désolants, peut-on dire que Moka, on peut confirmer le propos du chef de l'État qui est Moka Koufi, parce que non, un policier il a dit Moka est allé récupérer l'arme. C'est là où il faudrait, comprendre. Que l'armée et la police ont une éducation. L'éducation militaire ou policière n'est pas la même avec toi et moi. N'est-ce pas? Nous sommes dans une situation où la police ou l'armée savent trop bien que l'arme est une identité. Soda akufakapona mundukinae, parce que c'est ça son identité. Son arme peut être mal utilisée, son arme peut être utilisée à autre fin, mais cette arme-là a été une dotation écrite sous son nom avec un numéro. Est-ce que pour une circulation routière, la police devrait-elle arriver à arracher une arme? Mais ça, c'est une éducation. Une éducation qui atteste ce qu'est la police. Est-ce que Jean-Marc Kaboun serait derrière cette histoire? Il ne faudrait pas que nous puissions dire des choses pour lesquelles nous n'avons pas intérêt. Sur les vidéos qui ont circulé manifestant cette question, je n'ai vu ni Jean-Marc Kaboun, ni encore moins entendu sa voix. Et pourquoi sa maison a été saccagée? La maison a été saccagée. Je ne saurais entrer dans ces débats parce que de toutes les façons, ce qui s'est passé sur la route, les journalistes véreux et ceux qui ont eu le temps de mettre la chose à la place publique ont annoncé que c'était la garde républicaine de M. Jean-Marc Kaboun. Bien que sur la vidéo, on ne l'a pas vu. Ce qui veut donc dire qu'il y a eu d'abord un problème. Le vrai problème, c'est cette police qui doit être éduquée. Cette police de 2001 qui est entrée avec tout ce qu'elle a comme considération mentale, sans respect, sans savoir quel est le rôle quand on te donne en bulletin de service, quel est ton rôle. Il n'appartient pas à la police d'agir parce que une autorité pour qui tu es en protection, t'as demandé quelque chose. Un ordre mal donné, on dit en langage militaire, un ordre mal donné donc, ne peut pas s'être exécuté. Et donc vous êtes en contradiction, donc vous êtes d'accord avec les propos de Claude Molichaud en ce qui concerne les dérapages
de militants de l'UDPS. Parce qu'il dit, membre de la famille de l'UDPS. Est-ce que vous, vous pouvez emprunter le sens unique, madame, monsieur Mercis, qui était d'élu de PES sur ce trajet? Qui était d'élu de PES? En croire Claude Molichaud. Oui, il y a eu là. Claude Molichaud est là, qu'il atteste, qu'il certifie que devant cette situation, il y a eu un membre de l'UDPS qui était là. Il n'y a pas eu de membre de l'UDPS. Monsieur Jean-Marc Kabound, bien que on le déclare toujours comme étant président national de l'UDPS, mais avec les fonctions qu'il assume, il ne l'est plus. Le parti est aujourd'hui géré par le secrétaire général, qui était membre de l'UDPS. Mais qu'est-ce qui les aurait poussés à agir ainsi? Ce qui aurait poussé à agir, toi et moi n'avions pas été là, il ne faudrait pas que nous puissions nous plonger dans certaines divagations qui n'apportent pas la lumière à la population. Ce qui est sûr, l'acte doit être condamné parce qu'il n'appartient ni à la garde du vice-président de l'Assemblée nationale de faire le travail qu'il a fait. Il y a la police des roulages qui est là, la police de circulation, et il n'appartient pas non plus à la dame, il a cité, j'estime avoir entendu le nom d'Agnès Tshisekedi. Bon, je lui laisse le privilège de le dire. N'avait pas aussi autorisation. Voilà. De bien vouloir prendre le sens. La question doit être condamnée, mais il ne faudrait pas prendre cet incident et porter ça sur le parti présidentiel. Parce que sur place, ce n'est pas le parti présidentiel qui est allé chez M. Kabound pour aller faire ce qu'on déplore aujourd'hui. Ce n'est pas le parti présidentiel qui a été sur la route pour que l'incident puisse se produire. Très bien. Ça, c'est très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec... Je ne suis pas d'accord avec mon ami Tshitenge en face, parce qu'il doit savoir que Jean-Marc Kabound occupe jusqu'à aujourd'hui une fonction à titre intérimaire de l'UDPS, comme président. Il est président intérimaire... de l'UDPS. Mais être président intérimaire n'implique pas une gestion quotidienne. Parce que vous avez dit qu'il n'y avait personne membre de l'UDPS sur place. Mais oui. Alors, il y avait un président de l'Assemblée nationale. A-t-il quelle fonction présentement là à l'UDPS? N'est-il pas président intérimaire de l'UDPS? À moins qu'on me dise le contraire aujourd'hui, peut-être les choses ont changé depuis hier à la tête de l'UDPS. C'est M. Jean-Marc Kabound qui est là. Des deux, on parlerait de Agnès Tshisekedi qui est vu, qui était avec... Vous avez vu Agnès Tshisekedi... Nous sommes journalistes, nous sommes à la quête des informations. Notre travail, c'est chercher les informations, finir, faire des dépistages, des enquêtes journalistiques pour diffuser la vérité, afin de diffuser. Ce sont les informations à notre possession. On nous parlerait, je parle de conditionnel, que c'est une dame qui était à bord de ce véhicule, de cette Jeep-là, elle s'appellerait Agnès Tshisekedi, qui est de la famille présidentielle. Et elle a emprunté les sens uniques. Parce qu'il y avait un élément de la garde républicaine. Et puis, il faut pas dire ici que la police et l'armée sont deux corps indisciplinés. Non. C'est la police de 2001, non. Bien sûr, Joseph Kabila Kabange il a remonté cette armée jusqu'au 9e au niveau africain. Joseph Kabila Kabange n'a pas trouvé une police. Il a monté une police jusqu'à ce niveau-là. Alors, aujourd'hui, tu dois savoir que la police, c'est un corps discipliné et d'ordre. L'armée, c'était aussi un corps d'ordre et de discipline. Donc quand on adhère à la police, quand on se fait enrôler à la police, on doit subir une formation. Et la police, c'est un corps de maintien d'ordre et de discipline. Alors il ne faut pas aller... Je n'ai pas dit que la police et l'armée étaient des corps indisciplinés. Vous l'avez dit, je dis que c'était des corps qui se connaissent. De l'émission et vous allez vous rendre compte. Mon cher ami, quand Kabound ordonne à ses gardes du corps de désarmer un élément de la JR, la garde républicaine, et d'arrêter même la voiture dans laquelle se trouvait Agnès Tshisekedi avec cet élément de la JR, c'est aussi une infraction. Qu'il soit premier vice-président de l'Assemblée nationale, qu'il soit président AI de l'UDPS, qu'il soit simple citoyen, c'est une infraction. Ça s'appelle seulement abus de pouvoir. Ils allaient maintenant, machi à mou maintenant, ils ont pouvoir Nabisso,
Alors, si vous avez un exemple, si le diable est parti, les saints sont venus. Ah donc, vous les confirmez que vous êtes le diable. Je ne confirme pas, j'ai vous dit, le confirmez le pays est mort. Je suis d'accord avec Félix Tshisekedi que le pays est mort. Nous attendons qu'on nous délivre les certificats de décès. Mais il ne va pas délivrera pas le certificat de décès. C'est lui le prince qui a tué ce pays. Il doit sortir ce pays de ce Et Jean-Marc Kabound, je répète, qui n'est pas son premier coup. Qui ne connaît pas Kinshasa comme un RDC, que Jean-Marc Kabound, c'est le champion de quelqu'un qui se permet de trouer les pneus des voitures. Mais c'est le pouvoir que vous avez donné à Kanyama. Non, ça, on a vécu ce genre de comportement, ce genre d'attitude à l'époque de Mobutu avec les Zing Zong. Kanyama l'a fait. Saddam Hussein. Kanyama l'a fait. Aujourd'hui, Kabila l'a fait. Comme l'UDPS est au pouvoir, il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de courant électrique. Ils sont venus tuer les pays. Et ils ont fait effectivement tuer le Congo. On attend seulement qu'on puisse enterrer le Congo. Mais moi, Claude Moliche, j'ai dit que le Congo n'est pas mort. Il a trouvé ce Congo debout, en train de marcher, parce que Joseph Kabila Kabange s'est battu pour mettre en place des institutions démocratiquement élues. Tout ce qui Tshisekedi a trouvé, c'est le fruit de Joseph Kabila Kabange. Il n'y avait plus d'état. Et si... Voilà, nous allons clore avec ce sujet parce que nous en avons deux. Je rappelle que nous en avons deux. Je suis en train de blaguer avec le sacrifice. Monsieur Molicho, avec le sacrifice de Joseph Kabila Kabange. Alors, il est vraiment déplorable. Quand les policiers. J'ai la parole. Laissez-lui finir. Je termine. Laissez-lui finir. Voilà. Quand les policiers se permettent de désarmer. 30 secondes. Oui, 30 secondes. Quand les policiers se permettent de désarmer un élément de la garde républicaine, c'est aussi une autre infraction. Est-ce qu'il y avait un jugement pour qui ordonnait à ceux qu'on puisse désarmer ces militaires? Tu connais que l'arme d'un militaire, c'est je ne sais pas. L'arme d'un militaire a été arrachée, Guy Roger Tshitiki. Alors, nous passons des spectacles désolants, des surprises désagréables, des surprises désagréables avec la gestion de l'UDPS. D'abord, ils sont incapables de nourrir la population. Très bien. Ils sont incapables de trouver des solutions. J'ai terminé. 30 secondes pour ils sont incapables de trouver des solutions aux problèmes socio-économiques de la nation, mais ils se permettent encore de marcher sur les citoyens. 30 secondes pour clore et puis changer les sujets parce que nous en avons trois. Nous avons fini pratiquement avec le premier. Je me retrouve un peu sidéré et j'ai même du mal à vouloir continuer à évoquer la question. Je pensais que j'étais en face d'un journaliste. C'est ce que. Il ne peut perdre à temps le certificat de la RDC. Ce n'est que normal. C'est-à-dire que le journaliste qui est au devant de nous. C'est celui qui est en train de manger aux mamelles du PPRD et qui aujourd'hui se permet sur un plateau de télévision de se détacher de sa casaque de journaliste pour porter maintenant la casaque d'un combattant de l'UDPS. Il est proche de Joseph ou encore Kabila. Moins. Il est proche de Joseph Kabila. Membre de parti du PPRD. Mais moi, je suis ici en tant qu'analyste et aussi en tant que journaliste. Allez-y. Je n'ai pas d'obédience. Je le dis ici que l'acte doit être condamnable. Que ce soit du côté de ceux qui ont arraché l'arme, que ce soit du côté de celui qui a pris le sens unique, tous sont condamnables. Ils sont tous condamnables devant la loi. Et voilà d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il y a déjà des arrestations qui ont commencé par rapport à cette question. Ah donc il y a l'état des droits. Quel état de droit? Quand on se permet, voilà. Au niveau des premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale, on se permet de trouer des pneus de voitures de paisibles. Nous allons clore avec ce sujet. Nous allons changer de cap. Je vous rappelle que nous restons avec deux sujets. Nous allons parler également du projet Chile Gelou. Mais nous parlons d'abord de ce sujet, la nomination de Toto Mabiku Toto Kani à la tête au poste de secrétaire exécutif national de la Commission électorale nationale indépendante. Je commence par vous, Guy Roger Tshitenge. Est-ce que la nomination de Toto Mabiku au poste de secrétaire exécutif de la Commission électorale nationale indépendante serait une énième tentative du président Tshisekedi à politiser la CENI et à défier les peuples congolais en cherchant à tout prix à conserver le pouvoir? Je ne sais même pas pourquoi est-ce que vous devrez parler d'une nomination. Monsieur Toto, la Commission électorale nationale indépendante a lancé un appel
à la candidature, au recrutement d'un secrétaire exécutif national et d'un secrétaire exécutif national adjoint. Monsieur Toto a déposé ses dossiers convenablement au regard de ce qui a été comme condition pour accéder. Monsieur Toto est passé par un test à la Commission électorale nationale indépendante. Monsieur Toto a suivi tout le cursus. Quand on parle d'une nomination, c'est comme un choix que l'on a porté sur quelqu'un sans pour autant que la personne n'exécute les cursus voulus pour atteindre le poste. C'est le deuxième choix qui est contesté jusque-là. Ce qui n'est pas vrai. Après, S'il vous plaît, je dis très bien que ce qui n'est pas vrai. À la Commission électorale nationale indépendante, les documents, il y a. La Commission électorale nationale indépendante a sorti ce mois-ci un communiqué où il a testé que M. Toto est passé par tout le cursus. Pourquoi parler d'une nomination? Pourquoi est-ce que si aujourd'hui, sur ces chaînes de télévision, parce qu'aujourd'hui, monsieur Mercis, il va prêter, il va prêter qu'on a serment, besoin de il va déjà prêter serment. Mais écoutez, voilà. Mais là, il doit prêter serment, mais monsieur Mercis. Il est vous membre. Vous êtes dans tout sera centralisé par lui. Vous êtes membre. Vous êtes membre de cette chaîne. Vous êtes venu. Vous avez déposé votre curriculum vitae. On a testé vos connaissances en matière de journalisme. Est-ce que le fait qu'on vous ait recruté ici fait de toi un nommé? Non. Il ne faudrait pas que nous puissions jouer avec la terminologie ou encore moins avec le mot. Monsieur Toto n'a jamais été nommé. Monsieur Toto a réussi au concours qui a été fait par la Commission électorale nationale indépendante. Quel concours? La vie de recherche. C'est ça le concours? Il a passé un concours. Il n'a jamais passé un concours. Il ne faut même pas parler de la nomination. Il n'a jamais passé. Attendez, vous aurez la parole. Claude Mouluche, vous aurez la parole. Ça, c'est de un. De deux. Rapidement. Aujourd'hui, si les gens doivent dire que Toto a été nommé comme secrétaire exécutif national et qu'ils veulent penser qu'il y a eu une certaine politisation de la Commission électorale nationale indépendante, que dirons-nous de Rossar Malonda? Et que dirons-nous de Kadima? Attendez, je suis en train de parler du poste du secrétaire exécutif national. Que dirons-nous de Rossar Malonda? Rossar Malonda a été nommé sans embâche. Parce qu'à l'époque, directeur de production de la Commission électorale nationale indépendante, lorsque Corneille Nangaa est devenu président, il n'y a pas eu d'appel d'offres. C'était une nomination exacte. Ah que bon? Dirigez-vous du secrétaire exécutif Flavie Missouni, qui est venu avec le président Malou? Pourquoi les gens veulent, lorsqu'ils sont en manque d'arguments, lorsque les gens sont en manque d'actualité... On dit qu'il est proche de Félix Tshisekedi. Un ancien conseiller de Félix Tshisekedi. Il a même intervenu sur RFI lors de la publication des résultats par la CENI. Il a intervenu sur les antennes de RFI. Vous n'êtes pas quand même censé ignorer que dans ce pays... Vous êtes journaliste et moi également, nous avons suivi ensemble. Que je sois Toto avec toi, l'a intervenu sur RFI. Ne veut pas dire que je suis... En défendant Félix Tshisekedi. N'oublie pas aussi que lorsqu'il y a eu la question de la révision du fichier électoral, monsieur Toto, qu'aujourd'hui, les amis sont en train de vouloir faire porter le chapeau de la malédiction électorale, a été sur la liste deux experts que l'ancien mouvement où était Fayoulou et la dynamique de l'opposition. Il a été, sous la signature de M. Fayoulou, très bien, envoyé à la Commission électorale nationale indépendante comme expert pour auditer, très bien, le fichier électoral. Mais aujourd'hui, il faudrait que l'on puisse porter ça sur la situation de la population. Non. Très bien, très bien. Alors, Claude Mouluche, vous êtes d'accord avec les propos de Guy Roger Tshitenge lorsqu'il dit que Toto Mabiku a passé toutes les étapes pour arriver là? C'est faux. Et donc, c'est faux et archi-faux. Voilà. Mais c'est Toto n'a pas passé par toutes les étapes. Et il n'y a jamais eu concours. Et pourquoi vous contestez alors? Il n'y a jamais eu concours à des postes stratégiques. Parce qu'il faut savoir que le secrétariat exécutif national de la CENI, c'est l'âme. Exactement. De la centrale, de la centrale électorale. Donc c'est là qu'on a toutes les données et tous les rapports techniques des opérations électorales. Alors, on ne peut pas placer n'importe qui parce que c'est une affaire d'amis, frères et connaissances. Quand on disait ici hier que Denis Kadima Kazadi était
président de la Fédération des l'UDPS en Afrique du Sud. On n'a pas voulu nous croire. Mais c'est lorsque. Vous avez des preuves. Moléka. Vous avez des preuves. Lorsqu'Albert Moléka. Vous l'avez vu. Je suis en train de. Vous l'avez vu défendre. Les preuves sont là. L'UDPS. La vidéo est là d'Albert Moléka. Et vous le savez en tant que journaliste. Il le sait. Quand Albert Moléka est passé pour dire que je connais Denis Kadima Kazadi, un ancien représentant de l'UDPS en Afrique du Sud. Moléka n'est pas n'importe qui au sein de l'UDPS. C'était directeur de cabinet, un ancien directeur de cabinet de Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Alors, on veut nous faire croire. Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire ici? Qu'est-ce qu'on veut nous faire gober ici? Encore des mensonges? Non. Et même l'Église catholique s'est retirée de huit confessions religieuses. Pourquoi? L'Église du Christ au Congo s'est retirée également de huit confessions religieuses. Donc pensez-vous que cette nomination a amplifié la méfiance? Je vous dis, ils sont en train de préparer la tricherie et ça ne passera pas. Nous sommes à la Cour constitutionnelle. Vous voyez comment on a désigné les membres de la Cour. Même le président de la Cour constitutionnelle, ça a été protesté. Le président de la CENI a toujours protesté. Le secrétaire exécutif national de Toto, qu'on vient de placer là-bas, contesté. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre avec ce processus? Mais avec le trois. On peut s'attendre là, vous ne contestez pas les trois de l'opposition qui sont nommés. Pendant que nous contestons. Mais Claude Moulicho, pourquoi vous ne vous préparez pas aux élections de 2023? Nous sommes en 2022. Les élections. L'année 2023, c'est. Les Congolais doivent savoir que les élections, c'est une compétition. Mais préparez-vous. Et dans une compétition. Mais préparez-vous. Quand c'est joué à l'avance, qu'est-ce que vous voulez? Quand on veut tricher à l'avance, qu'est-ce que vous voulez qu'on se prépare? On peut pas faire comment? L'arbitre est en même temps juge et est parti. Alors que l'arbitre est censé faire respecter les règles du jeu et être neutre. C'est ça la loi. Mais vous avez déjà l'arbitre de votre côté et vous voulez que le candidat puisse aller aux élections pour dire que non, ils ont échoué. Ça ne passera pas. Monsieur Molichot, c'est que l'UDPS est en train de faire. J'ai la parole. Je ne vous ai pas dérangé. Protégez-moi. D'accord. Guy Roger, laissez-le. Guy Roger, Tshitenge, vous devez savoir que les gens sont morts pour le processus électoral dans ces pays. Les gens se sont sacrifiés pour faire avancer ces parce pays. Parce que Kabila voulait faire du forcing également. Non. Tous les Congolais aujourd'hui, M. Mnercis, s'attendent à des élections libres, démocratiques et transparentes. Même au niveau du Sénat américain, quand le chef de l'État est allé aux États-Unis, on lui a dit, pour dire que non, pas des élections, parce qu'on dit que non, tu n'as aucune élection. Est-ce que ce sont des élections transparentes? Non. Nous devons aller aux élections libres, démocratiques, transparentes. Tout Congolais, mais dans ces conditions-là, où l'Église qui est au milieu du village catholique et l'ECC se sont retirés de confession religieuse. Pensez-vous que c'est transparent, c'est possible, c'est transparent? C'est joué à l'avance, il cherche à gagner à l'avance. Mais c'est la tricherie. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Non. Vous avez eu des problèmes avec l'Église catholique. C'est la toute première fois que l'Église se retire des huit confessions religieuses. C'est la toute première fois que l'Église du Christ au Congo se retire de ce processus. Mais c'est grave. Donc nous sommes tombés trop bas. Est-ce qu'à l'époque de Kabila, l'Église catholique s'est retirée? Non. L'ESCC, l'Église du Christ au Congo, qui occupe la deuxième fonction dans cette structure de huit confessions religieuses, s'était retirée. Non. Alors aujourd'hui, l'UDPS nous fait voir de toutes les couleurs. Il n'y a pas de transparence dans tout ça, mon frère. Voilà, Guy Roger Tshitenge. À en croire certains observateurs, doit-on même penser participer aux élections de 2023 dans cette configuration? Parce qu'il y a contestation en contestation. Je suis en train de dire, moi je n'aime pas apporter des langages qui soient connotés de propos que l'on ramasse des hommes politiques qui mettent dans nos têtes parce que après avoir passé sur une chaîne de télévision, il faudrait aller s'accroupir pour que l'on puisse avoir de quoi manger. Non. Les schémas des élections, eux, déjà placés. J'aime bien quand on dit à Lingala, Bakimaka Mboula na mon pépété. Ah non, Bazana Kobanga. Bakimaka Mboula na mon pépété. Moi, je ne suis pas, je suis en train de parler. Bakimaka Mboula na mon pépété. Aujourd'hui, nous avons le bureau de la commission électorale, de la centrale électorale nationale qui compte complet. Kadima. Et les autres. Et les autres, il y a eu les FCC et tout ça dedans. Les FCC n'a désigné personne. Je vous informe avec Hachem Matembo. Ni les PPP n'ont désigné personne dans ce bureau de Kadima. Personne. Je vous concède ce que vous voulez dire. Mais de toutes les façons, aujourd'hui, le chemin du processus électoral est enclenché.
il ne faudrait pas que les gens amènent déjà la population à une post-protestation. Parce que ce qui se fait aujourd'hui, ce qui s'est dit sur le média, c'est ce que la population est en train de retenir. Que si ce qu'elle dit passait en 2023, c'est-à-dire qu'il aurait préparé le chemin avant. Mais et pourtant, il est temps aujourd'hui qu'on nous dise en toute sincérité qu'est-ce que l'on reprocherait à l'actuel bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Aurait-il toujours aimé que M. Ronsard Malonda soit toujours là comme elle le voulait? Est-ce que si aujourd'hui, l'église catholique, l'église protestante, c'est ça l'église au milieu du village. Chacun a fait son rôle. Chacun travaille de sa manière. Combien de fois, les Rossi, je viens d'entendre d'ailleurs que le procès a été rendu il n'y a pas longtemps, de Rossi Mukendi. C'était sur quel régime? C'était par rapport à quelle église? Et cette église contestait quoi? Le processus électoral est enclenché. Le temps de dire qu'aujourd'hui, Tshisekedi prépare. Est-ce que l'objectif est d'organiser les élections transparentes, libres et démocratiques dans cette configuration? Pourquoi? Comme nous dit, Tshisekedi l'a dit partout où il passe, il dit qu'il y aura des élections. Parce que Kabila, lorsqu'il y avait des contestations en contestation, il y avait quand même des dialogues. Mais avec Tshisekedi, on voit comme s'il y a du forcing de part et d'autre. Le dialogue, on va dialoguer sur base de quoi? On va dialoguer sur base de quoi? Il y a eu le dialogue. On a cherché à trouver un consensus. Le consensus a été trouvé et aujourd'hui, le bureau de la Commission électorale indépendante est complet. Lorsque les gens veulent toujours continuer à contester aujourd'hui, contester demain, contester après-demain, la politisation de la CENI, la dépolitisation de la CENI, est-ce que cela leur fait comprendre qu'il y a un timing qui est voulu? Parce que dans le processus électoral, ça se fait en termes de protocole. Ça s'organise. Très bien. Et quand vous dites qu'aujourd'hui, Kadima était avec Tshisekedi, membre de l'UDPS en Afrique du Sud, représentant de l'UDPS en Afrique du Sud. S'il vous plaît. C'est moi les calmes. Ce n'est pas moi. S'il vous plaît. Vous le savez. Mais vous portez des propos pour lesquels vous n'avez pas de vérification. Oh là là. Est-ce que vous avez vérifié? Vous êtes journaliste. Il fallait que vous puissiez vérifier et constater réellement que ce qui vous est dit est vrai. Ce n'est pas pour autant aujourd'hui qu'on peut dire que Kibas est toujours, parce qu'il a été de l'UDPS et qu'on toujours être membre. Nous sommes dans un monde qui change. Le monde est en train d'évoluer. Il ne faudrait pas que vous puissiez mettre dans la tête de la population de propos et des pensées qui préalablement présagent. Très bien. Une certaine position de contestation et aussi d'amener la population vraiment à la révolte. Ça, ce n'est pas normal parce qu'aujourd'hui, les élections, c'est le temps. Nous sommes encore en 2022. Qui est celui qui veut avoir des élections? Qui se prépare maintenant? On a refusé la machine à voter dans ce pays. Dans ce pays, on a refusé la machine à voter. Mais tous sont partis aux élections avec la machine à voter. Également l'UDPS. Mais avec l'UDPS, on a contesté. L'UDPS qui pensait peut-être qu'avec la machine à voter ne prendra pas le pouvoir. Mais c'est avec la machine à voter qui a été contestée que l'UDPS est aujourd'hui au pouvoir. Et très pourquoi bien, est-ce qu'aujourd'hui, les autres ne parviennent pas à comprendre qu'il est temps? Très bien. Très bien. Alors, Claude Molichaud, vous avez 20 secondes pour changer de cap. Nous avons, nous restons avec un seul sujet pour finir avec cette émission. Contestez-vous le propos de Guy Roger Tshitenge? En ce qui concerne le processus électoral, dès le début, dès la désignation de Denis Kadima par les six autres là, piloté par Dodo Kamba et Citoyen Mbosso, on a protesté, on a contesté et puis on a protesté. C'est-à-dire que le processus n'est pas transparent. Les règles du jeu ne sont pas respectées et c'est préparé à l'avance. On veut tricher les élections pour que l'UDP se retrouve encore au pouvoir au-delà de 2023. Ça ne passera pas. Le peuple congolais est vigilant, il est en train de suivre de près. Et tout le monde aujourd'hui s'intéresse à ce qui se passe. On sait que Denis Kadima, il est de l'UDP, c'est Albert Moleka qui l'a dit. Toto, il est conseiller ancien, conseiller du président. Préparez-vous, le contester quand même. Préparez-vous aux élections. Comment vous préparez aux élections? 2023, ça se pointe à l'horizon. C'est déjà, l'année prochaine. C'est déjà joué à l'avance. Comment nous pouvons nous préparer? Et puis ils seront les premiers à dire qu'ils ont été battus aux élections. Pendant que le processus n'est pas transparent. Mais UDP, c'est le micro. Comment pouvez-vous comprendre que l'arbitre a déjà un camp politique? C'est inconcevable, c'est ça le problème. Même l'église catholique, quand elle s'est retirée du processus, c'est à cause de tout ça. Quand l'ECC s'est retirée, c'est à cause de tout ça. Monsieur Molichaud, vous n'êtes ce sont des vérités. Vous n'êtes pas un exemple. Ce sont des vérités. Qu'il s'agissait que le régime démocratique.
Nous avons eu les élections. Nous sommes en train d'éclairer. Nous sommes en train d'éclairer. Nous avons eu les élections en 2011. Il m'a perdu. Non, non. Nous sommes en train d'interpeller et de conscientiser le peuple congolais suite à tout cela. Parce que peuple a la terre. Peuple a la pas si. Mais une des personnes qui est bien, le barat, non, écoutez. Non, personne n'a peur. Pourquoi vous êtes en train de je n'allais pas venir ici pour ce débat. Je suis en train de parler nativement à mon côté. Je suis direct et j'ai été toujours comme ça. Je ne changerai jamais. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire un travail de qualité, en train de conscientiser la population. Parce que ces gens sont incapables de donner à manger à la population, du courant électrique, de l'eau potable et tout et tout. Et ils cherchent encore à tricher les élections. Ça ne passera pas. Et puis, on a mis Mboke Koufi. Oui, vous avez tué ce pays. Ça ne passera pas. 18 ans dans ce pays. Ça ne passera pas. Monsieur Mugisho, ça, on a dit. Le FCC ou le PPRD a fait 18 ans dans ce pays. Il a jamais eu d'eau. Comparer les trois ans de Kabila et les trois ans de Tshisekedi, les trois premières années de Kabila. Après avoir fait combien après avoir fait qu'on fait la comparaison, il n'y a pas match. Kabila a commencé le pouvoir de 2001 à 2004. Comparer Kabila les trois premières années de Kabila et les trois premières années de Tshisekedi. Il n'y a pas match. Qu'est-ce qui a changé? Oh là là. Qu'est-ce qui a changé? Vous vous dites tout simplement que la médiocrité. Vous êtes ils sont incapables de vous jeter en pâture. Lui-même chef d'État, vous vous jetez en pâture. Oh, masque nous maintenant. Vous pouvez aller sous des mandats. Non, maintenant vous pouvez accoter les mains. Nzala, il est qui Nzala? Les gens ne mangent plus. Mais c'est le rapport du programme. Ce sont les résultats. Ce sont les résultats. Quel est le résultat? De 18 ans. Narcisse. De 18 ans de peine. Très bien. C'est à dire, de 18 ans avec ce sujet. Vous avez fait. Nous allons changer. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi changer. Je commence à énumérer les détournements de l'UDPS. Ce sujet, on va mettre un terme. Projet, le programme 500 jours, 500 000, 500 millions. Claude Molichaud, détourné. Covid, détourné. Les procès même c'est été Longono en liberté provisoire. C'est pas s'il est. Très bien. Claude Molichaud, je vous ai laissé la parole. 12 millions. Le ministère des pétroliers, détourné. Très bien. S'il est gelou, détourné. Nous allons parler maintenant. Nous allons. Et puis vous voulez encore prendre un autre mandat. Vous allez beaucoup pour ma congolais. Claude Molichaud, nous changeons de cap. Voilà, voilà. Nous allons changer de cap. Nous allons parler du projet Chile Gelou. Claude Guy Roger Tshitenge, quelle est la suite de l'exécution du projet 100 jours intégré dans le programme du gouvernement Samalou Kondé? Des millions ont été sortis. Alors, en urgence, certains ont été arrêtés, condamnés, libérés pour détournement. Qu'en est-il du projet Chile Gelou? Il y a l'exécution de travaux jusque-là. Moussa les bloqués, différents artères, il y a Kinshasa, nous voyons. Moussa les autres emboulatés. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a détournement. Je me rends plutôt que nous puissions comprendre et circonscrire chaque chose dans son temps. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut me dire que le projet Chile Gelou a échoué? Parce que de toutes les façons, vous devrez l'apprendre. Qui a eu un timing, une périodicité qui a été accordée à ce projet, qui est de 24 ou de 36, de 36 mois pour l'intérieur et autres. On va pas s'hasarder là dans ce sujet, hein, parce que le temps est parti. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Okay. C'est pour vous dire que la notion que vous voulez évoquer, c'est comme si vous mettez le charreux avant le bœuf. Parce que le projet est en cours d'exécution. Le projet évolue. Mais ça tourne en ralenti. Ça tourne au ralenti. En dépit, bien sûr, de ce qu'il peut avoir comme contrainte de terrain. Vous circulez à Kinshasa, vous voyez comment l'exécution de travaux, comment ça se passe? Monsieur Mercis, tout travail a toujours eu un temps d'exécution. Le fait que ce temps d'exécution s'achève et que nous puissions voir si et seulement si. Le projet Chile Gelou a été bien, bel et bien détourné de ses fonds, ou le projet Chile Gelou a bel et bien, le fonds alloué au projet Chile Gelou a bien fait son travail. C'est à ce niveau-là que nous pouvons réfléchir. Nous ne devons pas nous tourner dans cette classique de comprendre les intoxications qui sont en train de se faire pour dire que le million sont en train d'être détournés et celle-ci a fait ceci. Mais les preuves sont palpables. Oui. Nous voyons, les travaux n'évoluent pas. Est-ce que vous savez prenons que prenons les cas, prenons les cas vous savez, de la venue Kimwenza, vous savez très de la bien venue, que Victoire. Le travail, le travaux peuvent s'arrêter peut-être. Il y a plusieurs paramètres. Il y a plusieurs paramètres. Il y a plusieurs paramètres pour que le travaux de construction ou de grande bâtisse puisse s'arrêter.
il peut y avoir d'abord une coupure de financement, ou il peut y avoir un certain ralentissement dans le financement. Très bien. Peut y avoir un problème des sols, d'études, de faisabilité. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent entrer en contact. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun Congolais, en dépit de tout ce qui est en train de se déclarer, le 12 millions, le 15 millions, le 4 millions, qui est venu avec documents à la base. Nous sommes dans la République des millions. Attesté, voilà, tel argent est sorti de telle banque. La banque centrale a décaissé cet argent. Ça a été orienté à tel endroit. Et aujourd'hui, cet argent n'a rien fait. Il n'y a pas. Très bien. Claude Moulich, je aime beaucoup ce sujet de Tilejelou. Tilejelou, le projet Tilejelou. Vous pouvez contester. Monsieur, d'abord, il doit savoir où est-ce qu'on en est avec les procès des programmes 100 jours. C'est l'argent des Congolais. Près de 500 millions de dollars. Quand même, vous l'avez condamné faussement pour 57 millions. Sur les 500, près de 500 millions. Mais les restants là, plus de 300 millions autres, Nanazu Yango et Kenda Wapi, et Zonga la caisse à l'État, parce que vous dites que non, personne n'est capable de nous démontrer. C'est ça. Ça, c'est un dossier de justice. Nous, quand nous passons à la télévision, nous ne sommes pas venus ici pour nous faire voir. Monsieur, Et aujourd'hui, personne n'en parle. Mbongue Kenda, 500 millions. Avec 500 millions. Le projet Tilejelou. Non, nous sommes en train d'évoluer. Parce qu'on est parti par là. Parce que c'était un projet conçu comme le Tilejelou. Conçu par la présidence de la République. Programme de 100 jours. Mbongue Kenda Boe. L'argent dilapidé. Et on oblige le peuple congolais d'oublier. Parce qu'ils aillent des pèses. On va revenir sur ça. Tongo midi, pourquoi? Tous les jours, matin, midi, soir. Après 50 programme 100 jours, ils sont venus avec Tilejelou. Je laisse de côté parce que Kinshasa Bopeto, c'est à Kinshasa seulement, mais Tilejelou, c'est un pays aussi en province. Exactement. Mais Kinshasa Bopeto, ils ont encore reçu 3 millions parce qu'ils sont dans un pays de millionnaires. Nakati a eu des presses, il n'y a que des millionnaires. On a donné 3 millions. Mais il y a quand même de la volonté de la part du chef de l'État d'asphalter les routes secondaires. Non, nous sommes en train d'évoluer. Voilà. Avec les 3 millions d'abord, nous sommes la capitale Kinshasa. Les 3 millions qu'on a ajoutés pour les Kinbopeto. Voyez un peu la situation des Kinbopeto. Parce que nous sommes partis d'inachevé en inachevé. Kinbopeto, ce n'est pas seulement l'assainissement. Bobo Kombo, la Kama. Zéro, il y a prince, comme on dit à Kinshasa, prince. Non, Kinbopeto, c'était aussi l'évacuation des eaux dans les égouts, la voirie, l'aménagement de la voirie. Mais il y a moins d'eau. Non. Chaque mois, ça la marche. Toké na Tilejelou. On a Mbongwe et Kenda. Il y a Kinbopeto. Et à la fin de 2021, Tilejelou ba lampadaire moko boye e ba signo e ba mami wata ya biloko ba occultiste ba magicien pour dire que non tout nous sommes en train d'éclairer Kinshasa pour na confluer batou na envoûter batou. Ah bon, to betaka maboko. Maintenant nous attendons Tilejelou. Kinshasa est en province, d'abord en province, là où le chef de là où le chef d'état vient. Il vient du Kasai, non, du grand Kasai. Toi tu connais Kinshasa parce que Kinshasa mbula soki beti biso to komika kabwe nyekese nyekese 14 millions détournés. 14 millions qui sont tombés entre les mains d'un conseiller du chef de l'État, conseiller principal, Bilomba Marcelin. Est-ce qu'un conseiller est-il habilité à piloter un projet? Mais au conseil des ministres, on dit non, nous avons un problème de pilotage, un problème de coordination. Très bien. Mais les 14 millions, comment sont-ils arrivés entre les mains de Bilomba? Pendant qu'il y a un ministre des ITPR qui est là, il y a un gouvernement provincial du Kasai oriental à qui on a posé la question. Maman est la gouverneure du Kasai. Ozuaki Mbongo Tilejelou. Il y a chef de l'État qui va contrôler. Et ce sont les députés provinciaux. Donc, Ngoueka Sanji, comme député national, voulait faire ce qu'on appelle le contrôle parlementaire. Vous avez eu beaucoup du temps. Alors, mais est-ce que peut-il contrôler un conseiller? Non, Ngoueka Sanji peut contrôler un ministre, membre du gouvernement. Le dernier mot à Guy Rouché. Le jeudi passé, ils se sont retrouvés entre eux. L'homme qui veut devenir encore gouverneur au Kasai oriental, il s'appelle comment? David Mukeba, Ngoueka Sanji, Marcel Bilomba. Ils se sont retrouvés au Pullman Hotel pour battre Boucher. Ils ont pouvoir visiter Tchangona. Très bien. Donc, Mboke Zaho Koufa, effectivement, Mboke Koufa, mais
Tous les certificats de décès pour tous les funérailles, il va observer qu'il y a Congo. Et Guy Roger, 15 secondes plutôt, 20 secondes parce qu'on doit finir carrément. Voilà, après 20 ans au pouvoir de Joseph Kabila, et Joseph Kabila est parti sans trouver 15 bons collaborateurs. Quand seront-ils pour Fatih Tshisekedi, Félix Tshisekedi? Mais avant que je ne réponde à votre question, il faudrait que je dise à mon frère Molicho que c'est vrai, vous êtes de braves. Vous êtes tellement braves. Et nous, peuple congolais, devons vous féliciter. Nous vous en félicitons grandement. Parce que c'est dans cette même ville de Kinshasa où tu parles de 3 millions que Kimbuta a déclaré que Mboke Koufa et Kobonga rappelle Issoussouté. Vous étiez au pouvoir dans cette ville. Qu'est-ce que vous avez laissé dans cette ville? Trous partout. Caniveau bouché. Pas de route secondaire, pas de route intercommunale. Pour ça, nous vous disons merci. Nous vous disons également merci pour le grand Kassai. Parce que vous avez fait au pouvoir 18 ans. 18 ans. Alors que l'AMIBA. J'aurai le temps. Hein. Alors que l'AMIBA. 20 secondes, 20 secondes. Vous l'aviez trouvé. Il a déjà dépassé 20 secondes. Vous l'aviez trouvé. Dans le grand Kassai. Oui, continuez. Dans le 18 ans que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait du grand Kassai? Et vous parlez de 14 millions? Le 14 millions a été sorti de la poche de Mouguichon ou de la poche de notre membre du PPRD? Au moment où l'institution qui était habilitée, faut bien préciser. Molicho, oui. L'institution qui a été habilitée à sortir cet argent certifie jusqu'à preuve du contraire sur le fonds de promotion de l'industrie qui dit que jusqu'à aujourd'hui, l'argent n'a jamais été donné à monsieur le conseil du chef de l'État. Voilà. Mais vous vous emballez. Guy Roger, par rapport à votre question, je peux vous dire une chose. Que le Congo, et finir carrément. Le Congo a une chance. Et la chance que le Congo a, c'est d'avoir aujourd'hui un président comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ah, là, c'est là, vous avez capable, raison. Là, vous avez raison. Qui est capable de vous faire un rebond que nul ne pourra comprendre. Ça, là, ça c'est vrai. Personne ne peut comprendre. Félix, personne ne peut comprendre. Est le vrai président cette gestion de la République, ça, c'est qui vrai. Va sortir ce pays de tout ce malheur qu'on nous a laissé. Encore le 32 ans de Mobutu, ouais. Le 18 ans. Donc de vous êtes devenu pour Mehdi. Attendez, monsieur. Le pays, aujourd'hui, la RDC à quel âge? La RDC à 62 ans. Lui aussi, il avance des promesses sur, ici. Sur 62 ans. Là, tu es d'accord. 62 ans, 50 ans. Pour casser. Finissez. Je vous dis très bien que le Congo a enfin trouvé un Moïse. Et c'est Moïse. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour finir carrément l'émission. Pour finir, je reçois un temps parce qu'il a eu le temps. Voilà. Plus de 20 secondes. Prenez votre temps. La malédiction des pays, c'est d'avoir l'UDPS au pouvoir. L'UDPS, c'est la malédiction pour ces pays. Et les Congolais ont compris pour dire que non. Batoyo, ce que pouvoir est longué dans la boucle de Bango. Ils vont disparaître. L'UDPS, beaucoup lis moi. N'est-ce pas toi, Inabino? Bossibo, lis-moi. Il peut pas perdre. Bossibo, lis-moi. J'assume que Kabila a fait 18 ans. Kabila a un bilan. Je vous ai dit les trois premières années de Kabila, les trois premières années de Tshisekedi. Il faut faire la différence. Donc, l'UDPS, beaucoup lis moi. Batoua, Inabango, ma B. Avec tout ce qu'il y a comme détournement, des fonds de l'État. Pas des fonds privés, de l'État. Il ne veut pas de Kassai. Souvenez-vous du dossier SNEL. Laissez-moi terminer. Souvenez-vous du dossier SNEL. Je ne vais pas déranger. Roger, l'émission est presque à la fin. Et déjà finie d'ailleurs. Je ne vous ai pas dérangé. Alors finissez. Le président Tshisekedi va au Kassai pour dire que non. Machamou, mais ne vous pas s'en mandat moussous. On nous a empêché, nous les Kassaiens, de construire chez nous. Et ça qu'on flatte, bah tout bien qu'on nous. Le Congo a eu plus de 8 premiers ministres Kassaiens. Rapidement. Plus de 8. Mais quand ils sont allés au Kassai pour accueillir le chef de l'État, bah là, le Libanda. Pas même une petite maison. Dites-moi, montrez-moi la maison de Etienne Tshisekedi Wamulumba, à Mupompa, à Chilenge, où ça t'amboujimaï. Montrez-moi le Tshisekedi Wamulumba, trois fois premier ministre. Montrez-moi la maison de Pika Kassenda. Premier ministre. Mabi Mulumba qui est encore vivant, professeur d'université pendant toute une génération, pendant 50 ans, professeur d'université. Premier ministre à l'époque de Mobutu. Montrez-moi sa maison à Kassai. Alors, vous ne faut pas blaguer avec les gens. Donc, au Kenya 2023, par voie de démocratique, et peuple à Kolongo Labino.
Voilà, cette émission est terminée. Merci, merci, merci à Claude Moluche. Je rappelle que vous êtes journaliste. Je suis proche de Joseph Kabila Kabang. Joseph Kabila est journaliste. Merci à vous également, Girojiti Tengue, pour la première fois d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que ça sera ainsi, hein, de temps en temps. Vous allez co-débattre avec Claude Moluche. Avec plaisir. Voilà, merci à vous également d'avoir suivi cette émission. On s'y retrouve à la prochaine avec le même plaisir. Bye bye.